Aujourd'hui, on tenait à faire cette vidéo pour faire appel à vous. Raphaël Arnaud, leader du groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent antifasciste La Jeune Garde, est candidat pour les législatives dans le Vaucluse. Candidat pour le nouveau Front Populaire, ce jeune antifasciste de 29 ans est triple fiché S, reconnu par certains services de renseignement comme la DGSI et la préfecture de police de Paris. Il est notamment connu pour avoir agressé des militants du collectif Némésis, collectif féministe de droite, mais aussi pour son soutien aux Black Blocs, groupuscule ultra-violent anti-France, casseur, pilleur durant les manifestations. Cet individu n'a jamais hésité à menacer de mort, à agresser, à insulter et à souiller son propre pays. Vous l'aurez compris, sa candidature proche de Mélenchon inquiète pour des raisons de sécurité. S'il est élu, il pourra accéder à des informations et à des lieux de hautes instances. Et il pourra siéger à l'Assemblée et porter son combat de racaille. Pour rappel, Mathilde Panot, la star de LFI, l'assume haut et fort à la télévision et dit « Oui, il est antifasciste et fiché S, mais cela ne nous dérange pas. » La honte. Comment les électeurs de gauche peuvent-ils accepter ça? La menace pour notre pays est plus que considérable. Il est de notre devoir de préserver l'intégrité de notre démocratie. Il est de notre devoir d'empêcher le braquage de ces élections par des voyous d'ultra-gauche. C'est pourquoi nous vous demandons de signer cette pétition inscrite dans nos commentaires et dans notre bio TikTok pour exiger la dissolution de l'organisation violente La Jeune Garde antifasciste et pour l'expulsion de son leader Raphaël Arnaud. Alors on compte sur vous.